parti. Quel est ton rêve? T'enlèves tes chaussures. Ton rêve, ce serait d'avoir combien? Moi, déjà, c'est d'un jet privé. Ah, non, mais d'avoir combien d'argent? Ah, combien d'argent, ça serait d'avoir 100 millions d'euros. Ouais, c'est bien, 100 millions. Ce serait ton rêve. 100 ouais. millions, c'est bien. Ah, mais tu veux que tu peux le réaliser? Mais non, mais face à Baba. Benaïm, ce serait quoi ton rêve? 10 millions d'euros. Oh, voilà. 10 millions d'euros, d'accord. 10 millions d'euros. C'est ton rêve. Bah oui, parce que comme 10 millions, tu vis. Non, mais c'est vrai. Castaldi. Peux... 500 000. Les 500 000 pour que tu dois à la banque. Non, mais à 100 millions, tu commences à être pas mal. Mais vous commencez à être fous, les Kelly. 100 millions. Franchement, en toute honnêteté, vous me donnez maintenant 1 million, je suis très heureuse. Hein. Ouais, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi je voulais donner, pourquoi je vais vous les donner? Par amitié. Malade, moi, j'ai 1 million maintenant, c'est un rêve. Ouais, mais elle ne sait pas dans quel monde on vit, elle. Quoi? 1 million d'euros. C'est énorme. Tu vas en donner 50% aux impôts, il va te rester 500 000 balles, c'est bien. Mais tu vis pas toute ta vie avec 500 000 balles. Franchement, moi, si. Mais même en net, tu vis pas toute ta vie avec 1 million d'euros. Si. T'achètes pas des pulls en cachemire et tu nous fais pas chier. J'échelonne par mois et voilà. Elle échelonne Musk. Ok. Non, mais sérieux, toi. 2 millions d'euros. Quoi? C'est bien. C'est mon rêve. Ah ouais, c'est ton rêve? Ça me va. Ouais. Comme ça, je perds pas la tête. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir réaliser ton rêve? Non. Non, c'est vrai? Toi, combien? Un ticket restaurant. Moi, 1 million d'euros, je donne 500 000 à Benjamin, mais avec une condition. Tu veux que je te dise, toi? Concentre-toi sur le 8 mars, tu risques d'avoir beaucoup plus. Arrête de penser à l'argent, va. Concentre-toi sur le 8 mars. Ah oui, non, mais moi, je préfère l'amour à l'argent. Hein. Oui. Merde, on est... préfère l'argent, va. Raymond. Moi, 2 millions. 1 million 5, 2 millions, je suis bien. Ouais, t'es content. Ouais, je suis bien, ouais. Quand tu sors de dépression, tu sors de ta dépression. 1 million, je sors de dépression. Et surtout, je pense que tu peux arrêter de travailler si t'es malin. Tu peux te verser 3-4 000 euros par mois tranquillement pendant longtemps. C'est ça, un échelon. Si t'es malin, les deux, je trouve que vous allez bien ensemble. Mais le problème, c'est que, pardon, la question, c'était votre rêve. Non, mais c'est vrai. C'est pas la réalité, c'est votre rêve. Sur ma vie, les frites. Les deux, c'est les tuches. Des frites, des frites, c'est des frites. On est juste des gens simples. Hein, non, c'est pas ça. C'est réalisable, oui. Mais si on te dit ton rêve, moi, mon rêve, c'est pas d'avoir 3000 balles par mois, si c'est un rêve. Bah oui, il n'y a pas tort. Mais déjà, qui t'a dit qu'on avait un rêve au niveau de l'argent, déjà? Mais non, mais il nous demande. Moi, c'est la question. Pas de rêve, voilà. Pas de rêve. Mais tu te calmes, surtout, s'il te plaît. Elle rêve pas d'argent. Elle rêve d'être heureuse. Kelly ne rêve pas d'argent. Ouais, c'est vrai. Elle n'a rien à foutre de l'argent. Rien à foutre. La différence de toi. Ah bah c'est sûr. Ah, franchement, c'est vrai. Toi, si tu t'en foutais pas de l'argent, tu serais avec moi. Oui. Ah bah là, ça moi, va je être... je pense 40 ou 50 millions. Ah, voilà. Oui, voilà une dame. Quand même. Et la maillée, là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va racheter des vaccins. Il est au courant, Riolo? Non, mais chérie, 40 à 50 millions d'euros. Comme ça, j'achète... C'est pas ton anniversaire demain, toi? Si, justement, je voulais vous en parler. C'est fait, chérie, c'est fait. Non, non, ça aurait 40 à 50 millions d'euros. Comme ça, j'achète une maison à ma maman. Ah ouais. Une maison pour moi. Je mets à l'abri tous les enfants, la famille, tout ça, déjà. Ah ouais. Belle condition, et puis après je place un peu le reste, je sais pas. Mais je vous demanderai conseil. Oui. Oh, il est très bon. Ton fric sera au Paraguay, hein, je te le dis. Tu peux. Bon, prends dans ta gueule, il va être bien dans ta gueule. Il peut pas être au Paraguay. Moi, en vrai, 1 milliard. Oh. 1 milliard. 1 milliard, ah oui. Comme ça, je peux vivre sur un yacht avec des biatchs. Avec des biatchs. Mais qu'est-ce qu'il est con! J'adore! Non, mais c'est bien, vous avez des beaux rêves, bravo à vous! Et vous, Cyril? Ah bah, il l'a atteint, c'est beau! C'est fait! Pas du tout, moi, 1 million, je suis très heureux! 1 million? Ah, mais si vous avez par exemple 1 milliard! Par gueule, je vais la prendre dans la gueule! Ben oui! Imaginez, vous avez 1 milliard, pour autant vous continuez l'émission! Non, il s'arrête! Enlève, imaginez! Non, mais moi je veux savoir, parce que je suis pas sûr que vous arrêtiez! Mais moi je fais pas ça pour l'argent, je vous jure que c'est vrai! Donc vous continuez! Mais vous voulez que je vous dise quelque chose? Et je le dis aux téléspectateurs, je vous jure que c'est vrai. Que je sois là ou pas, je gagne pareil. Ah bah, ah bah oui, ne venez plus, parce que moi, ça me fait plus si vous n'êtes pas là. Non, mais sans charrier. Ça, c'est un truc que je voulais dire. C'est vrai, ça. Je viens vraiment parce que je kiffe venir ici. Pour le plaisir. Je vous jure que je kiffe venir et que je vienne ou pas, ça ne change pas à ce que je gagne dans la vie. Et je vous jure que c'est vrai. Ça ne change rien. Ouais. Limite, je vous jure que c'est vrai. Je gagnerais plus d'argent si je venais pas. Ah. Je ne charrie pas. Ah oui? Ah ouais? Si je produisais seulement l'émission. Ah, parce que l'émission coûterait moins cher. Je vous jure que c'est vrai. Oui. Et je vous jure que c'est vrai, et Benaïm le sait. Oui, c'est vrai que je. Voilà, donc, ça change. Au contraire, moi, je viens pour kiffer.
Franchement, je vous jure que c'est vrai, c'est mon kiff. Si je venais pour l'argent, frère. Et alors, je vous dis. Et on vous manquerait. Alors, et je vous le dis, ceux qui font. Alors, et là, c'est un conseil que je vous donne à tous ceux qui veulent faire. Ceux qui veulent faire de la télé pour l'argent, qui veulent faire un truc pour de l'argent, je vous le dis, c'est le meilleur moyen de se planter. Ouais. Alors, hein, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bah, regarde-toi. On va passer quand même un coup d'œil devant sa maison, quand même. Non, c'est vrai. Les mecs qui disent, ouais, je veux faire ça parce que je veux faire de l'argent, je t'explique, ils sont morts. L'argent est une conséquence, c'est non un objectif. Bravo, je sais pas ce que t'as dit, mais.